notre nouveau style, on s'empare de la ville. Dans les parkings, sur les toits, on joue jour et nuit. Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team. Toujours prêt pour un nouveau défi. Bien joué, Inès. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Paul? Il est en retard. C'est vous qui jouez aujourd'hui, c'est ça? Contre qui vous êtes tombé? Le Dark Side. Dur. Oh là là. C'est marrant. L'autre brut, il a le même air idiot que Sly, non? Bah, c'est normal. C'est Ralph, son grand frère. Je me disais aussi. Heureusement qu'il n'est pas dans leur équipe. T'imagines un peu? Non, j'ose même pas. Bien joué, il a pas le droit. Il est complètement dingue, ce type. Non, mais sans doute. Allez, debout! Ben, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, y'a un problème? Ma mère veut me présenter son mec. Quoi? Ah bah pas cool, en effet. En même temps, ça devait bien arriver un jour, tu crois pas? Ouais, mais en plus, il débarque avec son fils. Ah ouais? Et il est comment? Ténéneux ou quoi? Il dit qu'il va le rencontrer tout à l'heure, ça veut dire qu'il l'a pas encore vu. Oui, mais bon, il est peut-être hyper sympa. Si ma mère a quelqu'un, c'est clair, elle pourra plus se remarier avec mon père. En même temps, vu que ton père s'est déjà remarié, ça fait un moment que c'est plus possible, non? C'est pas... Bah, c'est pas trop tôt. Allez, allez, rassemblement, on s'active, on cercle autour de moi. Bon, Samy, tu veux bien te décoller de ces marches? Je vous rappelle que d'après le tirage au sort de la compétition, demain, la team jouera contre les Darkseid. Oula, ça va faire mal. Et c'est donc clair. Au Darkseid de choisir le défi de ce match. Ça va être trop facile de vous battre. C'est presque pas du jeu. Bon, alors vite, un défi. Un truc pas trop dur pour les petits. Pour le match de demain, on devra remplacer un de nos joueurs par un joueur plus vieux. 17 ans minimum. Quoi? C'est pas vrai. Ça, ça veut dire qu'il va faire jouer Ralph, la brute qui jouait avec nous tout à l'heure. Appelle ça jouer. En attendant, on doit trouver quelqu'un d'au moins aussi balèze que lui. Hop là. Bon, comment on fait, capitaine? Arrête, pas mes cheveux. J'ai peut-être une idée. Bon, allez, à plus les jeunes. On se retrouve demain pour le match. C'est plus de mon âge, vos trucs. Entre, Samy. Paul, c'est vrai que t'étais footballeur professionnel quand t'étais jeune... Enfin, avant, quoi. Qui t'a dit ça? Bah, je sais plus, je l'ai entendu. Oui, c'est vrai, mais ça remonte à longtemps. Ça te dirait pas de jouer avec nous pour le match de demain? Et moi? Avec vous? Mais je... Il nous faut quelqu'un qui a au moins 17 ans. Et comme toi, tu dois avoir au moins 4 fois cet âge... Pas exactement, non. Mais bon, si ça peut rendre service, je veux bien essayer de jouer avec vous. C'est vrai? Tu veux bien? Yes! Bon, le truc, c'est que je suis un peu rouillé. Il faudrait que je m'entraîne... un minimum. Bon, c'est clair, t'as besoin d'un peu d'entraînement, mais t'inquiète, on va s'occuper de ça. Oh la vache! Au revoir, Joey! D'accord, Luna, à toi! Désolé. Aucun problème! Dommage, Greg, pas loin. Alors là, je dis bravo. Trop fort. Ouais, mais ça nous donne pas notre joueur de plus de 17 ans. Je l'ai trouvé. Paul? Mais tu crois vraiment que... Ouais, c'est un ancien pro. Avec un peu d'entraînement, ça va le faire. On y va, je suis prêt, moi. Pourquoi pas, après tout? C'est pas réglementaire. On a dit que Paul faisait l'arbitre. Il doit rester neutre. Il peut pas jouer avec vous. Ouais, interdit. Sly a raison. Désolé, j'aurais bien aimé vous aider, mais... Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et d'ici demain, 14h au plus tard. Sinon, vous allez être obligé de... De quoi, Paul? De déclarer forfait. C'est le règlement. Ouais. C'est comme ça. Dommage pour vous. Bon, nous, on va continuer de s'entraîner. On vous laisse chercher, hein. Bon, désolé, ça tombe au mauvais moment, mais moi, faut que je file. Si j'arrive en retard pour le déjeuner, je vais me faire allumer par ma mère.
T'inquiète, on va se débrouiller. Mais toi, ça va aller? Ah, en même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et d'ici demain, 14h au plus tard. Sinon, vous allez être obligé de... De quoi, Paul? De déclarer forfait. C'est le règlement. Ma mère veut me présenter son mec. En plus, il débarque avec son fils. En même temps, ça devait bien arriver un jour, tu crois pas? C'est toi, Samuel? T'es à l'heure, c'est bien. Ils vont bientôt arriver. J'ai hâte de te les présenter. Ouais, super. Tu sais, Ramon m'a dit que son fils aussi joue au foot de rue. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Samuel, n'oublie pas que tu m'as promis de faire un effort. Tu poseras ta console quand ils seront là. Ah, les voilà. Arrête avec ta console. Salut, Isabelle. Bonjour. Voilà, je vous présente Samuel. Bonjour, Samuel. Samuel, s'il te plaît. Tu joues à l'envers, toi? Hein? Quoi? Samuel, voici Ramon et son fils Sébastien. Salut, moi c'est Sébastien. Ouais, j'avais entendu. Ouais, mais tu peux aussi m'appeler... Je vais dehors. Samuel, qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu m'avais pourtant promis de... Excusez-le, c'est pas évident pour lui en ce moment. Ce n'est pas grave, on peut le comprendre. Seb, tu veux bien le rejoindre? Bah oui, je veux bien. Mais pas sûr qu'il en ait vraiment envie. Vaudrait mieux le laisser tranquille, non? Essaie quand même. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Passe la balle! Allez! Il est pas mauvais, Ralph, quand il veut. Il s'entraîne et nous, on n'a même pas trouvé notre joueur. Hey, bon, on se remet. C'est pas en pleurant comme ça qu'on va trouver quelqu'un. T'as raison. Eh oh! Y'a pas quelqu'un qui aurait envie de jouer avec la meilleure équipe de foot de rue extrême? Non, personne! Allez, quoi! Alors tu joues au foot de rue? Non, c'est du foot de rue extrême, rien à voir. Ah ouais? Vas-y, envoie le ballon. Viens plutôt le chercher. Ok. Attends. Alors, tu fais moins le malin? D'accord, je confirme, c'est rapide. Mais ça reste du foot de rue. Oh l'autre, hé, rien à voir. Le foot de rue extrême, c'est 10 fois plus rapide, 100 fois plus spectaculaire, 1000 fois plus technique. C'est carrément plus extrême, quoi. On doit se donner à 100%, faut toujours être à fond. À fond, peut-être, mais avec un ballon. Alors, extrême ou pas, ça reste du foot de rue. Ah, ok, je vois. Toi, t'es le genre qui veut toujours avoir le dernier mot, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Les garçons, à table. Pff, laisse tomber. Tiens, tu ferais mieux de t'entraîner. T'es pas vraiment au point, si tu veux mon avis. Alors, ça s'est passé comment avec le copain de ta mère? Bah, c'est un mec, quoi. Et son fils, c'est un pur boulet. Il veut toujours avoir le dernier mot, genre, monsieur, c'est tout mieux que tout le monde. Bon, et vous? C'est bon? Eh ben... Tu parles. Entre ceux qui ont peur de Ralph. Oui, et ceux que cela y a menacé s'il jouait avec nous. Ben, résultat, on a toujours personne. Mais c'est pas possible. Y a personne qui veut nous aider. Laisse tomber, ça, on a déjà essayé. Moi, je veux bien. Wow, je rêve. Salut. Wow, c'est qui ce beau gosse? Non,
j'y crois pas. Tu m'as suivi? Vous voyez un boulet, je vous dis. Ne me dis pas que c'est lui que t'appelles le boulet. Dingue, c'est Tag. Mais non, lui, il s'appelle Sébastien. Exact, Sébastien Tagano. Dit Tag, le champion du monde de foot de rue. C'est pas vrai? Bah ouais. Waouh, je le crois pas. C'est bien toi, en vrai. Bah, c'est bon, on l'a trouvé, notre joueur. Attrape. Alors, ça te dirait de jouer avec nous? C'est quoi cette histoire de chercher un joueur? L'équipe est pas au complet? Si, mais on est en championnat là. Et le truc, c'est qu'à chaque tirage au sort, deux équipes sont désignées pour s'affronter. Et il y en a une qui doit inventer le défi du match. Et là, pour demain, le défi, c'est qu'on doit recruter un joueur de 17 ans minimum. Ah oui, je vois. Ben, je suis ok si vous voulez. Ouais, pas question. Quoi? Mais si, on a besoin de lui, Samy. Non, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Bon, d'accord, comme vous voulez. Si vous avez besoin de moi, Samy, tu sais où me trouver. Allez, salut. Tag, attends. Non, mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui te prend? On rame depuis ce matin pour trouver quelqu'un et quand on le trouve, tu le vires. En plus, c'est... Mais c'est Tag, quoi. Même si tu peux pas le voir, ce mec, il peut carrément nous sauver la vie pour le match. On comprend que t'as du mal avec ce qui t'arrive. Et avec lui en particulier. Mais nous... On a une... Une équipe, ouais. Ouais, je sais. Vous avez vraiment trouvé personne? Non. Et c'est pas faute d'avoir essayé, je te promets. Ok. Vous voulez Tag? Alors, prenez-le. Je lui laisse ma place pour le match. Je l'ai jamais vu comme ça. Sacrément. Bien joué, Samy. Surtout, ne change rien. T'es trop fort. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, hop, 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 hop. Dehors. Vous n'avez pas le droit d'être dans ma loge en mon absence. Et la team, tu vas en faire de la purée. Alors, ça va? Comment tu les as trouvés? Bof. Je sais que c'est difficile pour toi, mon cœur. Mais je te l'ai déjà expliqué. Ça fait longtemps que ton papa et moi, on ne vit plus ensemble. De son côté, il s'est remarié et aujourd'hui, moi aussi, je veux refaire ma vie. Tu fais ce que tu veux, maman. Mais moi, c'est pas ma vie. En tout cas, Sébastien m'a dit que tu avais été très gentil avec lui. Seb, Tag, il t'a dit ça? Oui. Il a dit à son papa que tu lui avais présenté tous tes amis et qu'ils ont été très chouettes avec lui. Je suis vraiment fière de toi. Et je suis contente que ça se passe bien avec lui. C'est important pour Amon et moi. On voulait voir comment ça se passait entre vous avant de prendre une décision. Quelle décision? À partir de la semaine prochaine, ils vont venir s'installer tous les deux avec nous. Quoi? Je ne sais pas encore où on va installer Sébastien. Enfin, Tag. Mais on va lui faire de la place dans la maison. Tu veux bien? Mais je... On peut... Le dîner est en train de brûler. Chant devant! Oh. Me regardez pas comme ça, je sais pas où il est moi, je l'ai pas revu. Mais comment on fait? Le match va commencer. Alors les jeunes, vous l'avez votre joueur? Tic tac, tic tac. Oh, vous avez choisi l'homme invisible pour votre premier match. Trop fort la team. Très drôle. Et rappelez-moi un peu le défi. Si une équipe n'a trouvé personne au moment où le match commence, il se passe quoi? Elle doit déclarer forfait. Elle est donc éliminée et la victoire revient à l'équipe qui reste. Mmh. Oh, quel dommage! Mon frère était tout excité de jouer avec vous. Comme ballon de foot. Mmh. Alors, c'est bon? Vous êtes au complet? C'est qui? Non, mais si ta proposition tient toujours, on aimerait... On voudrait bien que tu joues avec nous. Enfin, si ça t'embête pas. Pas de problème, au contraire. Mais, et votre capitaine, il est d'accord? Le capitaine, il n'a pas vraiment de choix. Rassemblement pour définir le terrain. Bon, de toute façon, on peut pas jouer à 6. Il entre avec vous. Moi, je reste là, comme j'avais dit. Pas de problème. Vous sortirez chacun votre tour. Tout le monde doit jouer. Cool. Ok, Tag. Bon, petit rappel. Aujourd'hui, le terrain couvre le niveau moins 1 et une partie de l'esplanade. Les buts sont situés à la sortie de la serre, niveau 0 à l'opposé du chantier. L'autre est dans l'axe, à l'entrée du labyrinthe. Les Darkseid ont choisi le chantier pour commencer. La team pourra demander le changement de terrain à la mi-temps si elle le souhaite. Sur le banc de touche, Samy pour la team, Krina pour les Darkseid. En place pour le coup d'envoi. Allez, prêt. Il est complètement dingue. Avertissement, jeu dangereux.
J'y vais. Vat, à toi. Vas-y, Dimi, elle est pour toi. Inès, interception. On reprend, mais attention aux jeux dangereux. On est là pour faire du foot extrême ou pour jouer à la poupée? Je suis sérieux, Sly, retiens un peu ton frère. Au foot de rue extrême, on a des règles. Et si elles ne sont pas respectées, c'est l'exclusion définitive. Ouais, ouais, d'accord. Ne cherchez surtout pas le contact et ne vous laissez pas impressionner par cette grosse brute. Merci, c'est vrai qu'on t'attendait pour savoir jouer. Oh, ça va, hein. Là, toi. Je prends. Non, c'est moi. Surprise. Goal volant. Tiens bon, Joël, j'arrive. Fat, en renfort. Backside. Greg, Luna, on change de tactique. Je le surveille. Vous, vous récupérez le ballon, ok? Ok. Greg, tu sors. Et Samy, tu rentres. Tu fonces et tu marques, hein. Le grand naze. Ben t'as qu'à l'éliminer. Plus vite, Timmy, faut la rattraper. Dépêche. Je fais ce que je peux. Ouais, ouais. Oh, je vais en faire un poster en relief. Il est sur moi maintenant, alors profitez-en pour marquer. Allez, gros malin, attrape-moi si tu veux. Attends, tu vas voir. Samy, le centre. Mais... Mi-temps, 5 minutes de pause. C'est quoi ce plan perso que tu nous as fait? Tag t'avait dit de faire la passe. Ah ouais? Tag m'avait dit, je savais pas que c'était lui le capitaine. En même temps, le capitaine, il faisait la tronche sur le bord du terrain. Faut choisir. Là, on parle de l'équipe. Pas de moi, ni de toi. Ouais, bla 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 bla. 2 minutes. Bon, Tag, on fait quoi? Alors, Greg, tu rentres. Inès, tu sors te reposer. On va bientôt avoir besoin de ta vitesse. Et au fait, c'est qui ce mec? Bah, c'est pas le frangin du petit. De Samy, tu crois? Bah ouais, ils arrêtent pas de se prendre la tête. Des frangins. Ouais. Ça me donne une idée. Pour choper le grand, on va s'attaquer au petit. Pas bête. Tout le monde en place. Le jeu reprend. La team choisit de ne pas changer de terrain. Deuxième mi-temps. Allez. Pousse la balle. Samy, derrière. C'est bon, je l'avais vu. Ça fait tout frais de dire merci. Allez, attrapez-le. Il doit pas passer. Tag. Ralph, exclusion jusqu'à la fin du match. Qu'est-ce que je veux? Je rêve. Je vous avais prévenu, tant qu'il n'y avait pas de danger, je ne pouvais rien dire. Mais là, pas de discussion possible. Et ta jambe, ça va, Tag? Ça va, vous inquiétez pas pour moi. Bon, on va faire entrer Inès. Je lui laisse ma place. Non, surtout pas. La team a besoin de son capitaine. Ok, je sors. Inès, tu prends le ballon et tu ne le lâches pas. Tu l'emmènes le plus loin possible et tu ne passes qu'à Greg. Greg, tu suis Inès. Samy et moi, on s'occupe de vous couvrir. Bon, on y va, là, hein? Ils sont cramés. Allez, on les éclate.
Il reste une minute de jeu. Changement de gardien pour les Darkseid. Tu vas assurer, hein? Ouais, c'est bon, t'as pas confiance ou quoi? Bon, le prochain, il est pour nous. Mais cette fois, il faut les surprendre. On est plus nombreux, alors on va en profiter. On fait circuler la balle hyper vite. Ok, la team? Attention! Krina, vite, dans les buts! Tu l'arrêtes, celui-là, t'as intérêt! Fin du temps réglementaire. Victoire pour la team. Oui. Ah non, dégoûté. Oh là là là. Bravo, ils ont raison, t'es vraiment un champion. Et toi, tu as tout pour être un bon capitaine. Un peu tête de mule, mais ça peut être une qualité. Il lui fait pas trop de compliments, après il va avoir la grosse tête. Mais non, pas du tout. Sans rancune, alors? Sans rancune. Bon, sinon, comme capitaine, c'est clair, t'es pas vraiment au top. Mais je pensais, ça te dirait pas de devenir notre entraîneur? Je sais pas. Dans une équipe, tout le monde a son mot à dire. Elle est grave d'accord, l'équipe. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Trop cool.